Bonsoir à tous. Alors, c'est pas dans mes habitudes de prendre la parole avant une ravissante femme qui est Marie-Laure, mais c'est avec son accord qu'elle m'a laissé parler en premier. Donc, je suis Adrien Pouc, le président du Rotary Club de Paris Agora, et je suis ravi de vous accueillir. Je vous remercie de nous avoir rejoints à l'école militaire dans l'amphithéâtre Louis. Alors, l'amphithéâtre Louis, il a été baptisé ainsi en mémoire du lieutenant-colonel René Louis, professeur de cours de tactique générale d'infanterie de 1911 à 1914, est tombé pour la France en 1915. Autant dire que c'est plutôt un lieu qui a l'habitude de recevoir des conférences militaires pour parler de tactique de guerre. Alors ce soir, ce n'est pas vraiment la thématique, puisqu'en fait, on est plutôt là pour évoquer la mauvaise utilisation d'un outil absolument merveilleux qu'est Internet, aujourd'hui qui est complètement rentré dans les mœurs. Et c'est les risques vis-à-vis de nos jeunes dont on va discuter ce soir. Alors c'est dans ce but que je vais remercier Jérôme de nous avoir rejoints, par amitié. Conférencier, spécialiste en veille et intelligence économique, intervenant à l'IHEDN, qui a récemment sorti un livre « Maîtriser Internet avant qu'il ne vous maîtrise ». Et c'est sa compétence qui va nous permettre d'animer cette conférence. Alors, un mot très rapide pour parler du Rotary, association internationale créée par Polaris en 1905, qui rassemble aujourd'hui plus d'1 200 000 membres à travers le monde, 40 000 clubs. Les femmes et les hommes qui animent chacun de ces clubs sont des professionnels qui cherchent à servir d'abord. Le thème de ce soir s'inscrit tout à fait dans les axes principaux et prioritaires du Rotary, à savoir celui de l'éducation. Marie-Laure, je te laisse ponctuer cette présentation et puis... Merci Adrien. Alors bonsoir à tous, je suis ravie de vous accueillir à l'école militaire où j'organise des conférences tous les mois, mais c'est la première fois dans cet amphithéâtre qui est l'un des plus modernes de l'armée française, donc on est vraiment chanceux de l'avoir. Donc je suis Marie-Laure Charles, je suis présidente fondatrice du e-club du district, donc c'est le club qui se réunit sur Internet. Donc quand on m'a demandé d'aider pour aider ce soir, je dis ben, bien sûr, hein, ça va tout à fait dans le thème. Donc c'est un club moderne qui permet à tous ceux qui habitent à l'étranger ou qui sont en voyage de participer à nos actions et à nos réunions en se connectant. Donc sur Internet, on fait Zoom, c'est comme un Skype en fait, donc c'est deux fois par mois. Donc si vous voulez qu'on en parle après pendant le cocktail, ce sera avec grand plaisir. Alors pour le timing, on a à peu près 1h30, 1h15 de conférence. Ce sera interactif, donc nous avons deux micros, donc n'hésitez pas si vous voulez interagir avec le conférencier de lever la main, on vous passera un micro. Il faut qu'on évacue, excusez-moi l'expression, la salle à 21h au plus tard, donc moins 5. Et on a un petit cocktail derrière qui s'appelle la Rotonde Gabriel. Donc en fait, quand vous sortez, vous longez les travaux, première à droite, de 21h à 22h. Pareil, là, il faudra qu'on rende la rotonde à 22h. Et ensuite, la sortie se fera à l'entrée 1, qui est l'entrée principale de l'école militaire. Là, vous êtes rentré par la porte 5, mais qui sera évidemment qui est fermée maintenant. On l'avait jusqu'à 15, donc elle est fermée. Donc voilà, mais ce sera bien éclairé. Donc en fait, c'est l'endroit qui sera éclairé dans l'école militaire. Si jamais vous vous perdez, vous avez mon numéro de téléphone qui vous a été envoyé dans la confirmation pour ce soir. Voilà, donc je laisse la parole au conférencier. Merci beaucoup encore. Merci. Bonsoir à tous. Avant toute chose, merci au Club Rotary d'avoir organisé ce bel événement. J'espère être digne des lieux et de l'organisation de ce soir. Quelques mots de présentation. C'est toujours important de savoir d'où vient un intervenant. En l'occurrence, voici ce qu'aurait pu être mon métier et ce qui a été pendant longtemps ma passion. Je suis en effet de formation historien, égyptologue. En tout cas, j'ai une licence d'égyptologie. Par la suite, j'ai fait de l'histoire contemporaine. J'ai été jusqu'au poste de DEA. Mais comme quoi, toute chose peut avoir une fin. Je me suis réorienté vers le domaine de la gestion et puis de l'intelligence économique. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de diriger une structure qui fait du conseil en veille et en intelligence économique. La structure s'appelle Interliguéré et vous avez à l'écran quelques-uns de mes clients. Mais je suis aussi père, un père de famille, père de 3 enfants. Et ben, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, vous les voyez grandir. Et c'est le fait de les voir grandir qui m'a fait prendre conscience d'une évidence, parce que c'en est une. Nos enfants vont naître dans un monde qui est entièrement numérisé. Et quelque part, si vous êtes... Alors moi, je suis né en 72. Si vous êtes né grosso modo avant les années 80, ben vous êtes né et vous avez grandi dans un monde où il n'y avait pas Internet. Et donc, vous avez eu une formation intellectuelle. Vous avez joué sans doute à des jeux de société. Vous avez créé du lien en dehors de toute numérisation, ce qui ne sera pas le cas de nos enfants
et de toutes les générations à venir. Et c'est cette prise de conscience qui m'a donné envie, d'une part, d'écrire ce livre, Maîtriser Internet avant qu'Internet ne vous le maîtrise, et aussi avec mes enfants, d'écrire un petit livret. Je dis petit livret parce qu'il fait une vingtaine de pages. Ce livre étant bien sûr plutôt orienté vers une lecture d'adultes, le livret, lui en l'occurrence, est plutôt orienté vers une lecture pour les enfants. Ça a été écrit par un collégien et un lycéen. Le langage est forcément un langage qui est plus adapté pour cette tranche d'âge. Il me semblait très utile de prolonger cette idée de partager une vision de l'Internet pour les plus jeunes. Alors, l'idée de cet événement et l'idée de cette conférence, c'est de partager avec vous quatre visions. La première, Internet est une révolution informationnelle. C'est une grande révolution informationnelle et c'est même la cinquième révolution informationnelle. Ça va faire l'objet de mon premier point, un point qui est assez rapide, qui va durer une dizaine de minutes, un point qui vise simplement à nous rappeler les révolutions informationnelles précédentes. L'idée, c'est de prendre un recul stratégique sur ce que nous sommes en train de vivre. La deuxième idée, c'est que si Internet est une révolution, il y aura des gagnants et des perdants. Parce qu'une évolution emmène tout le monde, mais une révolution fait que certains vont mordre la poussière. À titre d'exemple, je ne suis pas sûr qu'on puisse considérer Louis XVI comme un gagnant de la Révolution française. Donc très clairement, une révolution fait des perdants. Mais alors, si on est d'accord pour se dire qu'Internet est une révolution, il faut se demander qui va perdre. Est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est l'école militaire ? Est-ce que c'est la France ? Est-ce que c'est l'Europe ? Qui vont être les perdants de cette révolution ? Et c'est à cette interrogation que je me propose de répondre dans cette seconde partie, qui vise à vous présenter des règles. Parce que oui, dès qu'il y a une remise en cause de certaines choses, il y a des nouvelles règles, et nous allons passer en revue ces règles, les règles qui font qu'on va gagner ou qu'on va perdre. Troisième point, il me semble évident aussi de souligner que le manque de maîtrise d'Internet risque de coûter cher, et on va voir ensemble, dans un troisième point, quel va être le coût inhérent à cette perte de maîtrise. Et enfin, on va quand même se demander comment gagner, parce que l'objectif, ce n'est pas de vous embêter ce soir, c'est de vous présenter des choses qui soient positives, et c'est de surtout vous donner de l'énergie pour être plus mordant, plus conquérant par rapport à ce nouvel outil. Alors, j'ai l'habitude de faire des présentations qui soient très, très opérationnelles, d'une part. Donc, à certains moments, je vais aller sur Internet et je vais pas me contenter de dire des choses, je vais vous les présenter. C'est un premier point. Deuxième point, j'adore les présentations interactives et je prendrai toutes vos questions au fur et à mesure de ma présentation. Ne me laissez pas parler pendant une heure sans m'arrêter. Donc vous levez la main, je vous donne la parole, je prends les questions et c'est comme ça que c'est le plus dynamique. Je me suis présenté sous un angle uniquement professionnel. Je connais bien les lieux puisque, comme l'a dit Adrien, je suis aussi formateur et conférencier pour l'Institut des hautes études de défense nationale. Et j'ai depuis maintenant une petite dizaine d'années entre les mains chaque nouvelle session intelligence économique que je forme sur la pratique des outils de veille et de recherche. C'est parti. Premier point. Quelles sont les grandes révolutions informationnelles ? Et d'ailleurs, pour dégenrer le débat, j'ai envie de vous poser la question. Si Internet est la cinquième révolution informationnelle, quelles sont les quatre premières ? Alors attention, révolution informationnelle, c'est-à-dire que tout ce qui est industrie, métallurgie, la roue, le feu, l'univers, l'écriture, et d'une ? L'imprimerie. Téléphone. Radio, télévision, téléphone, télégraphe. Téléphone, télégraphe, c'est une seule et même révolution, puisqu'en fait, on va chercher à utiliser des outils qui fonctionnent avec l'électricité en quelque sorte. Écrit, imprimé, électrification des moyens de communication, il m'en manque une. Pigeon voyageur. C'est pas faux, mais on va les écouter quand même. Transistor. Télévision. Électrification, c'est la même chose. Allez, c'est la première. Papier. Alors, le papier va avec l'écrit. Langage. Le langage, bingo, on y va. Première grande révolution informationnelle. Le langage articulé et récursif. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur ce qu'est la récursivité dans le langage, j'en suis même pas tout à fait capable. Néanmoins, on voit bien à l'écran que le monde, le règne animal, utilise le langage. Vous avez en haut à gauche un macaque rhésus. Il a 5 mots de langage. Alors, je ne suis pas bilingue en macaque rhésus, mais grosso modo, il a le hack qui signifie qu'il y a un aigle qui risque d'attaquer. Il a le crack qui signifie qu'une panthère risque d'attaquer. Quand il multiplie les hacks ou les cracks, c'est que le danger est imminent. Quand il rajoute boum,
Par exemple, hack, hack, boum, boum, ça veut dire on rentre à la base, il est tard. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que le règne animal a un langage qui peut être porteur de sens, qui est porteur de sens, bien évidemment, mais qui n'a pas la richesse de notre langage à nous. Et c'est ce qui fait que la branche du vivant sur laquelle nous sommes a aujourd'hui une place dans le règne animal qui est tout à fait particulière. Deuxième révolution, l'écrit. L'écrit sert à avoir une persistance de la parole dans le temps et dans l'espace. Je vous ai mis la palette de Narmer en bas à gauche, qui est une palette à phare, phare dans le sens fardé. Il y avait des pigments qui étaient au centre. Et on voit déjà des proto-hiéroglyphes. Eh bien, avec la persistance des écrits dans le temps et dans l'espace, on a des grandes civilisations. La civilisation égyptienne, par exemple. Mais écrire à la main, pardonnez-moi l'expression, mais c'est quand même très compliqué, ça peut être très gonflant, et un moine copiste mettait à l'époque, je parle du Moyen-Âge, 1 à 2 ans pour réécrire un livre, 1 à 2 ans, sur du parchemin, c'est de la peau de mouton, ça vient de la ville de Pergame en Asie mineure, Pergame, Pergamina, parchemin. 1 à 2 ans, vous vous rendez compte, comment voulez-vous avoir un partage des informations et des connaissances rapides avec quelque chose qui se fait à la main? Eh bien, l'invention de l'impression vient résoudre le problème. Il va y avoir une multiplication des écrits, un partage beaucoup plus rapide des savoirs et des connaissances. Qui a inventé l'impression? Qui a dit les Coréens? Ah oui, mais tu m'as entendu récemment. Bien joué. Donc, ce sont les Chinois qui ont inventé les caractères mobiles en 800 après Jésus-Christ. Ils les ont fait en argile et puis en bois. Ça s'use, c'est pas génial. Les Coréens sont les premiers à les avoir fondus en métal, c'est du cuivre. On est en 1234. Vous n'oublierez plus jamais cette date. 1234, c'est comme l'a dit monsieur. 1, 2, 3, 4. C'est hyper facile. 1, 2, 3, 4. Création des premiers caractères mobiles en cuivre. Mais nos amis coréens ont gardé cette nouvelle technologie et ont imprimé des livres, mais l'ont gardé auprès des castes dirigeantes, les mandarins, les énarques de l'époque, si vous voulez. Et les savoirs et les connaissances sont donc restés auprès de cette caste dirigeante et ça n'a pas infusé dans le public. Notre ami Gutenberg, en Europe, qui réinvente les caractères mobiles, qui va fondre en plomb, plus la presse, qui a été déjà inventée par ailleurs, puisqu'on faisait du très bon vin avec une presse, lui met ces deux inventions ensemble, caractère mobile plus presse, ça fait impression de pages qui va coudre pour en faire des livres. Notre ami Gutenberg, qu'est-ce qu'il imprime en premier? Quel est son premier livre? La Bible. Dans l'Europe chrétienne de l'époque, la Bible a vocation à toucher tout le monde. Et donc, comparativement à ce qui s'est passé en Corée, les résultats de cette invention vont infuser, vont irriguer dans le corps social. D'abord la Bible, et puis ensuite, des livres de cul. C'est pas une blague, c'est les best-sellers de l'époque. Ça fait rire personne, j'ai tenté une blague, en plus c'est filmé, je crois que j'ai fait une connerie. Tu couperas au montage, j'espère. Mais en plus, c'est la vérité, ça a très très bien marché à l'époque, les deux livres en même temps. N'empêche que, ce qui va se passer, c'est que la multiplication des savoirs et des connaissances de cette époque va permettre d'imprimer la Bible. Oui, mais la Bible va avoir un impact considérable. Regardez, imaginons que je sois un bourgeois de l'époque. Allez hop, on me projette au XVIIe siècle. Imaginons que je commette des fautes de temps en temps. Eh bien, la pratique courante, c'était d'aller voir le curé et de lui confesser ses fautes. Et sous l'effet de l'achat d'indulgence, j'avais une rémission de mes péchés. Très bien. Sauf que si, bourgeois que je suis du XVIIe, je m'achète la Bible, parce qu'évidemment, en imprimant, les prix de vente sont beaucoup plus bas, donc je peux me permettre, je m'achète une Bible. La Bible, c'est l'Ancien Nouveau Testament, vous le savez. L'Ancien Testament, c'est quoi? C'est la Torah. Voilà. Donc, quand vous avez lu la Bible, vous avez lu la Torah, c'est déjà une bonne chose. Donc, c'est la Torah. Grosso modo, il y a quelques différences, mais c'est la Torah. Donc, c'est les livres écrits par les Juifs avant la naissance de Jésus. Puis, vous avez le Nouveau Testament, qui est écrit entre le 3e et le 8e siècle, grosso modo, et qui raconte la vie de Jésus. Est-ce qu'on y parle déjà d'indulgence? Bien sûr que non, parce que l'indulgence, c'est quoi? C'est une invention de la papauté du 11e ou 12e siècle pour éviter la banqueroute, tout simplement. Je suis un bourgeois du 17e, j'achète la Bible, je lis la Bible, je ne vois aucune mention des indulgences. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller voir mon curé et je vais lui dire, monsieur le curé, je ne comprends pas. Je commets des fautes, je me rachète, je pense aller au paradis, je me rends compte que ce n'est pas inscrit dans la Bible. Quand ça a été inventé? Pour qui ça a été inventé? Où va mon argent?
je proteste. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que le protestantisme est un héritage de cette troisième révolution informationnelle. Je peux parler en même temps de la Révolution française, qui n'aurait jamais eu lieu a priori, s'il n'y avait pas une communication des pamphlets, ce sont encore des imprimés, et l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, ce sont encore des imprimés. Et la révolution technologique qui va y avoir lieu est aussi un héritage de cette révolution. Je vous présente des révolutions qui ont eu des impacts considérables. La première, c'est la branche du vivant dans laquelle nous sommes. La deuxième, c'est la construction des empires. La troisième, c'est la construction de l'Europe telle que nous l'avons vécue. Connus, tels que nous en bénéficions encore. Quatrième révolution, c'est le transport du son et de l'image au plus grand nombre. Quel est le premier événement pour lequel il y a eu 1 million de personnes qui ont vu les mêmes images en même temps ? Voilà, alors tantôt on dit le couronnement de la reine d'Angleterre, tantôt le premier homme qui a marché sur la Lune. Il y a un petit peu compète entre les deux, mais grosso modo, c'est la première fois qu'il y a eu 1 million de personnes qui a fait la même chose en même temps. C'est totalement extraordinaire, et ceci est un héritage de la quatrième révolution informationnelle. La cinquième, on ne sait pas ce que ça va donner, par contre ce qui est sûr, c'est que tout va changer. Tout, tout, tout. Uber, c'est le début du début, du début de la grande rigolade qui nous attend. Le seul problème, c'est qu'on n'est pas forcément bien préparé. Et c'est le second point que j'aimerais aborder avec vous. Quelles sont les nouvelles règles du jeu de cette révolution informationnelle ? On a vu son importance, on ne sait pas ce que ça va devenir, mais une question simple à se poser, c'est est-ce qu'on la maîtrise ? Eh bien non, à mes yeux, non. Et je vais vous le prouver. Alors, premier point, je me décale un petit peu, je décale le micro en même temps. Il ne veut pas, je vais le laisser tranquille, c'est lui qui décide. Premier point, j'aimerais bien vous transporter sur Internet et notamment sur la porte d'entrée sur Internet, les moteurs de recherche. Savez-vous utiliser Google ? Voilà, un public prudent, c'est bien. Eh bien, je prétends que vous ne savez pas utiliser Google. Pourquoi c'est européen ? Alors, une chose à la fois. Une chose à la fois. On va déjà utiliser Google parce que 92% des requêtes en France sont faites avec Google et 80% dans le monde sont faites avec Google. Jérôme, propose-moi une requête, ce que tu veux. Vas-y, Franco. Allez, Rotary. Rotary, entrée. Et Google me dit qu'il a 429 millions de résultats. Le problème, c'est que quand je vois qu'il a 429 millions de résultats, je ne peux que faire confiance à Google. Je ne vais pas creuser sur la page 2, la page 3, la page 4. Vous êtes d'accord ? Je suis obligé de m'en remettre. Et quelque part, c'est un peu voulu de la part de Google de nous présenter comme ça une palanquée de résultats. Nous, on prend conscience que nous sommes tout petits par rapport à la force de la technologie. C'est voulu. C'est voulu aussi d'ailleurs de la part de Google de nous masquer les principaux opérateurs de recherche. Opérateurs de recherche. Vous ne savez pas ce que c'est, ou peut-être... En tout cas, je sais que j'ai des amis dans la salle avec qui j'ai déjà discuté. Il y a des personnes qui font de l'intelligence économique. Mais allez, je veux dire, globalement, à l'échelle de France et d'Europe, on ne connaît pas bien. Écoutez, en voilà un. InTitle, c'est de l'anglish, c'est facile. Dans le titre. Et ça permet de dire à Google que je veux que les résultats, l'intégralité des résultats qu'il me ramène, contiennent Rotary dans le titre. Je relance et je n'en ai plus que 12 millions. Par rapport à 429, ça fait donc un rapport de 1 à... Jérôme ? Beaucoup, on est bien d'accord. Et c'est pas tout. Parce qu'imaginons que je veuille un document PDF. Pourquoi un PDF ? Parce qu'un PDF sera un document qui sera construit. C'est pas un tweet, c'est pas un article dans un blog. C'est construit, c'est structuré. Je vais rajouter file type de point PDF. Et de 12 millions, je passe à 255 000, ce qui fait encore beaucoup moins. Mais c'est pas tout. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait dans le corps du texte le mot culture. Comme ça, je le prends au pif, hein. Le mot Paris et le mot enfant. Entrée. Et je n'en ai plus que 50. Ici, j'ai mis l'opérateur et qui est matérialisé par un espace. L'espace, c'est l'opérateur que tout le monde met par défaut. Mais si je me dis, ah oui, mais on peut dire aussi adolescent. Adolescent. Oui, voilà, éventuellement. 51, j'ai gagné un résultat négligeable, pourriez-vous me dire ? Ben non, parce que ce que je voulais vous montrer, c'est que l'opérateur OR permet de dire je vais ça ou ça. De la même manière, je peux dire France, OR Paris. Et là, je vais avoir 96 résultats. L'utilisation de ces opérateurs marque la différence entre ceux qui subissent
la porte d'entrée sur le web qui est Google, et ceux qui le maîtrisent, c'est la première règle que je voulais vous montrer. Alors, dans nos domaines, je regarde mes amis de l'intelligence économique, dans nos domaines, on va beaucoup plus loin et on peut faire des recherches beaucoup plus complexes. On l'utilise notamment pour faire de la recherche sur la concurrence, les prospects, les fournisseurs. Mais ce n'est pas le thème de ce soir. Simplement, retenez qu'il est possible d'aller très très loin et je ne résiste pas quand même à l'idée de vous montrer, à l'envie de vous montrer quand même, une requête un peu malicieuse. Pourquoi malicieuse ? Parce qu'elle va vous ramener des documents étonnants. Par exemple, pas ça. Par exemple, je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec file type de point .ctt et je vais taper MSN or Gmail or Hotmail, par exemple. J'ai utilisé l'opérateur qu'on a vu tout à l'heure. Je lance ma requête. Google se demande ce qui se passe. Il a tellement peu l'habitude de se faire interroger avec des requêtes complexes qu'il pense que je suis un robot. Je lui dis que non. Et il me rapporte des résultats et je vais vous en ouvrir quelques-uns. Voilà. Et que voyez-vous ? C'est donc un carnet d'adresses. Et bim, comme dirait mon fils de 14 ans. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben c'est très simple. Je vous montre la force procurée par l'utilisation de ces opérateurs. Des requêtes comme ça, on appelle ça des Google Docs. Voilà. Et ce que je suis en train de faire, c'est du Google hacking. C'est-à-dire que ces opérateurs sont tellement puissants qu'ils sont utilisés par les hackers pour trouver des failles. Ils ont bien sûr bien d'autres méthodes, mais ça fait partie des méthodes utilisées. Je ne vais pas plus loin sur le premier point. C'est la première règle. La maîtrise du moteur de recherche ou des moteurs de recherche est essentielle. Pourquoi Google nous masque-t-il l'utilisation de ces opérateurs ? Pourquoi le grand public ne les connaît pas ? Vous vous posez la question, enfin la question est totalement légitime, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pourquoi le grand public n'en a jamais entendu parler ? Qui les connaissait ? On fait un sondage. Mis à part mes amis de l'IE. Ah, mais Jean, t'es dans l'IE aussi, hein ? Et vous là-bas, vous êtes aussi dans l'intelligence économique ? Ils sont dans les L, puis les Ah oui, non, vous m'avez entendu, c'est triché. Bon, voilà, alors la preuve est faite, mis à part ceux qui sont dans le domaine de l'intelligence économique. Ah oui, alors, quelqu'un ? Excellent. Ceux qui ont l'habitude de faire des recherches dans des bases de données connaissent l'importance des opérateurs. Très bien. N'empêche que ça, mis à part ceux qui sont dans la veille, ça fait une personne sur un public d'une petite centaine. C'est à peu près le ratio. Pourquoi ces opérateurs sont méconnus ? Eh bien, j'ai ma petite idée. Dans la mesure où vous faites des requêtes larges dans Google, Google a toute la latitude pour nous ramener des résultats qui sont sponsorisés. Et si vous cliquez sur le résultat, Google gagne de l'argent. À partir du moment où vous faites des requêtes très ciblées, Google n'a plus cette latitude pour vous ramener des résultats sponsorisés. Et donc je prétends que, pour notre ami Google, le fait que les internautes du monde entier maîtrisent les requêtes avancées constitue pour lui un handicap. Il n'a pas du tout envie de faire en sorte que vous soyez autonome dans la recherche d'informations. Et là, on commence tout d'un coup à voir Google d'une autre manière. Google, finalement, n'est peut-être pas notre ami. Il faut savoir que Google fait l'essentiel de son chiffre d'affaires sur la vente de liens sponsorisés. Le mot-clé le plus cher, c'est « insurance » aux États-Unis, 54,91 $ le clic. Et pour être sûr que tout le monde voit bien l'idée, si j'étais aux États-Unis et que je tapais le mot-clé assurance, je ne le suis pas, mais c'est une image, et que je cliquais sur un des liens sponsorisés, sans doute celui-ci, eh bien, si j'étais aux États-Unis... Merci. Si j'étais aux États-Unis, que j'avais tapé le mot-clé assurance, que j'avais cliqué sur le premier lien qui est sponsorisé, eh bien, ça aurait fait pour Google 54,91 $ in the pocket. Et c'est comme ça que Google a un chiffre d'affaires de 140 milliards de dollars. L'année dernière, c'était 130. L'année dernière, c'était grosso modo 120. L'année d'avant, c'était 110. Ce que je veux dire, c'est que Google gagne chaque année en plus 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires. En plus. Donc on peut imaginer que l'année prochaine, ça sera 150 et puis 160 et ainsi de suite. Et vous comprenez bien que face à un modèle économique aussi juteux, Google n'a pas forcément envie de faire en sorte que les internautes du monde entier maîtrisent les techniques de recherche avancées
ça ne va pas du tout dans le sens de son business. Deuxième règle, rechercher c'est bien, surveiller c'est mieux. Quelle est la différence entre les deux? C'est très simple, quand on surveille, on reçoit automatiquement les informations. Un exemple de veille que je pourrais faire, puisque quand même cette conférence est consacrée aux enfants et la maîtrise de l'Internet pour nos enfants, mais pour convaincre les enfants, je suis bien obligé de convaincre les parents, on peut faire un exemple de requête de recherche d'emploi. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner une idée d'emploi, de recherche d'emploi, de poste, un type de poste? Pardon? Sacristain. Sylvain, voyons. Allez, donnez-moi une idée. Je ne sais pas, moi, chargé de projet. Oui, voilà, chef de projet, responsable. Bon, chef de projet. Chef de projet marketing. C'est bien ça? Chef de projet marketing. Alors, si je cherche... Parfait. Si je cherche avec cette requête, ça ne va pas être génial. 28 millions de résultats, et dedans, je n'ai pas forcément des annonces. Par contre, s'il y a une annonce, il est probable que dans le titre, dans l'intitulé, nous ayons le mot « offre » et nous ayons le mot « emploi ». Et là, vous allez voir la différence. C'est parti, 80 résultats. Offre d'emploi, offre d'emploi, offre d'emploi, offre d'emploi, offre d'emploi, et ainsi de suite. Vous imaginez, pour un chercheur d'emploi, le gain qu'il y aurait à transformer cette requête ponctuelle en un flux d'informations. Eh bien, c'est la deuxième règle que j'ai à vous proposer. On ne sait pas faire de la veille. Et pour faire de la veille, vous avez différents outils. Et un des outils les plus simples, c'est Alerte Google. Les alertes Google peuvent être un outil très puissant quand elles sont bien utilisées. Et en l'occurrence, je crée devant vous une veille pour la recherche d'emploi. J'ai copié-collé ma requête. J'aimerais bien avoir une réponse une fois par jour de toutes les sources, en français, de toutes les régions, tous les résultats, envoyés sur mon mail, c'est mon mail sous pseudo. Hein. On en parlera plus tard. Il faut avoir un univers sous pseudo. Je crée l'alerte et voilà, c'est fait. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, si je suis chercheur d'emploi, eh bien Google, très gentiment, va m'envoyer les résultats. Ceci est donc ma deuxième règle. Il est ahurissant que ça ne soit pas plus connu. Dans le cadre de mes activités, j'ai rencontré il y a quelques années Pôle emploi, et notamment deux chefs de projet de Pôle emploi. J'aurais dit, mais il faut absolument que vous communiquiez ça à tous les chômeurs en France. Il faut que ça soit quelque chose qui soit connu, qui soit évident, qui soit utilisé. Elles m'ont dit, c'est génial, Jérôme, il faut que tu nous formes. On en parle à notre patron, tu vas faire une formation, c'est génial. J'étais content, j'allais gagner un nouveau client. Et elles sont revenues une semaine après en disant, désolé, Jérôme, on n'a pas les budgets. Et je dis, mais attends, c'est une formation, c'est rien, quoi. 700 euros, c'est que dalle. Vous n'avez pas les budgets? Non. Le patron ne veut pas. Je dis, mais votre patron, il voit l'intérêt pour les chercheurs d'emploi, il comprend le truc, il sait ce que c'est. Il dit, ben non, le patron, il ne connaît pas bien Internet et on n'a pas su le convaincre. Il faudrait que toi, tu le convainques, que tu arrives à le convaincre, mais il faudrait faire un rendez-vous, puis il n'a pas le temps, et ainsi de suite. Et voilà comment on entretient une méconnaissance généralisée. Et puisque nous parlons des enfants, vous imaginez bien que les professeurs et les instituteurs, le maître des écoles, ne connaissent pas, que l'administration nationale connaît mal, que le sommet de l'État connaît mal, et en fait, nous avons comme ça une méconnaissance généralisée, ce qui fait que ça a beaucoup de mal à infuser. Je vous parle des alertes Google, qui sont peut-être l'outil le plus connu en matière de veille. Je ne vous embête même pas, parce que ce n'est pas le sujet, je ne vous embête même pas avec des outils comme SendUp, Alerty, KB Crawl et d'autres solutions qui permettent de faire des veilles de manière très précise, très pointu, avec une grande qualité, avec des coûts variables en fonction des besoins. Ce n'est pas le sujet. Mais néanmoins, je pense que ma deuxième règle, ma deuxième proposition de règle pour maîtriser Internet n'est pas remplie. Et alors, vous n'êtes pas déçu de la troisième, si j'ose m'exprimer ainsi, parce que la troisième concerne la capacité d'analyse. Bah oui, trop d'informations tue l'information. Or, Internet est un vaste gisement de données informationnelles qui vous tombe sur le coin de la figure dès que vous tapez une requête dans Google. Comment on fait pour faire face à cette surabondance? Alors, on a inventé des mots. Hein. Infobésité, par exemple. Infobésité. Bon. Il se trouve que vous avez sur ce graphe un axe horizontal qui est un axe temporel, un axe vertical qui correspond à pas grand-chose, mais peu importe, il en fallait bien un. Et vous avez surtout une courbe bleue. La courbe bleue, c'est quoi? C'est le volume de données disponibles grâce à Internet. Très bien. Et on voit que cette courbe bleue monte de manière exponentielle. Vous avez d'ailleurs les différentes révolutions informationnelles que j'ai marquées de manière un petit peu, légère.
ceci n'est pas un graphe scientifique, hein. C'est un graphe qui simplement reflète le message que j'ai à vous faire passer. Donc on a le langage, l'écrit, l'imprimé, etc. Et on voit que les données partent de manière exponentielle. Très bien. Mais nos capacités cognitives, mes chers amis, est-ce qu'elles augmentent de manière significative? Eh bien non. Eh bien non. Et les psychosociologues, et les psychologues et les sociologues, ce n'est pas exactement le même métier, expliquent, et les neuro... explique que non, nos capacités cognitives n'ont pas changé depuis que nous gambadions à moitié à poil dans la savane. Depuis qu'on est cro-magnon, on n'a pas tellement changé. Et certains disent même qu'on aurait même perdu. Parce que quand nous étions cro-magnon dans la savane, tous nos sens étaient activés. L'odorat, avant toute chose. Est-ce qu'il y a un lion dans les parages? La vue, ensuite. L'ouïe, bien évidemment. La kinesthésie, le toucher, etc., etc. Et que la plupart de nos sens sont aujourd'hui en jachère, ce qui fait qu'on a un cerveau qui fonctionne de manière un petit peu bancale, puisqu'il n'est plus que sollicité que pour des choses totalement intellectuelles, surtout dans les métiers comme le mien, où le manuel, on le fait quand on rentre à la maison et qu'on bricole. C'est tout. Ceci pour vous dire qu'on arrive à ce qu'on appelle un effet ciseau. Oh, c'est très clair sur le graphe, c'est pour ça que je l'ai fait. Augmentation des données à disposition, baisse des capacités cognitives, et ben c'est une manière d'expliquer le phénomène des fake news. Vous avez plein de conneries qui circulent avec des gens qui sont assez bêtes pour les croire. C'est des fake news, c'est tout. Et regardez-moi ces stats. Je vous laisse lire le titre, il est autoporteur. Et un deuxième. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. Troisième condition, les capacités d'analyse. J'ai bien peur que ça ne soit pas génial non plus à ce niveau-là. Comment on lutte contre ça? Alors, autant pour le premier élément, la première règle, je vous ai montré les opérateurs de recherche. Pour la deuxième règle, qui est la veille, je vous ai parlé d'un outil. Pour cette troisième règle, il n'est pas question d'outil. C'est tout simplement la connaissance de nos biais cognitifs. C'est ça qui est l'outil qui va nous permettre de faire face à cette surabondance informationnelle. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? Eh bien, on en a plein. Je vais vous en montrer un. Alors, un notamment sur Internet, mais en fait, on en a plein d'une manière générale. Alors, je vais sur Internet, je vais sur Google, et imaginons que j'ai 12 ans. J'ai 12 ans, et j'ai un copain qui m'a dit, et c'est pas Jérôme, Barack Obama, c'est un extraterrestre. Si, si, j'ai la preuve. Regarde. Regarde sur Google, tape Barack Obama extraterrestre, tu vas voir, c'est clair. Donc, j'y vais. Obama, Barack, évidemment, Barack, et extra. Terrestre, entrée. Barack Obama est prêt à partager des dossiers secrets. Obama plaisante sur les aliens. Ils exercent un contrôle, point de suspension. Bon, on ne sait pas. Est-il protégé par un alien? Protégé par un garde du corps extraterrestre? Possède-t-il des gardes du corps, etc. Eh bien, ceci est une parfaite illustration d'un biais qui s'appelle le biais... J'oublie toujours quand je dois en parler. C'est le biais de confirmation. Le biais de confirmation. Explication. J'ai tapé trois mots-clés. Barack Obama extraterrestre. Google a dans, je vais vulgariser, dans sa base de données, des millions de documents. Beaucoup parlent de Barack Obama. Des documents très sérieux, très bien. Et certains ont été écrits par des illuminés qui pensent qu'il est extraterrestre. D'accord? Et cela emploie le mot Barack Obama et le mot extraterrestre. Google, face à ma requête, a le choix. Soit il nous présente quelques-uns des documents dans la grande masse qui parlent de Barack Obama de manière tout à fait légitime et intelligente, mais qui ne contiennent pas le mot extraterrestre, et quelques documents écrits par des complotistes qui expliquent qu'il est extraterrestre. Qu'est-ce que va faire Google? Ben, la règle du jeu, c'est quand même qu'il nous ramène des documents qui comportent nos mots-clés. Barack Obama extraterrestre. Donc il n'a pas le choix. Il ramène les documents qui en parlent. Et forcément, ce sont des documents complotistes, sauf bien sûr ceux qui en parlent de manière ironique, comme Paris Match, qui n'est pas complotiste, mais qui va se moquer. N'empêche que le titre est ambigu. Quelque part, c'est fait exprès. C'est ce qu'on appelle une putaclic. Un putaclic, c'est un titre sur lequel on a envie de cliquer parce qu'il est étonnant. Très bien. Eh bien, ceci est une illustration du biais que je viens de présenter et que fait à peu près n'importe qui n'est pas préparé. Il est sûr que quand vous tapez des mots-clés, vous aurez des documents qui contiennent ces mots-clés. Si vous orientez dans une direction, ben vous aurez la confirmation que cette direction est la bonne puisque vous avez tapé les mots-clés correspondants. Alors la connaissance de ces biais est essentielle pour pouvoir se mouvoir dans l'Internet tel qu'il est aujourd'hui. Je continue. Sauf question, parce que je répète, l'idée n'est pas de soliloquer. Je prends votre silence
comme étant le fait que je suis pas trop mauvais et que ça vous passionne, mais surtout n'hésitez pas à réorienter, à me poser des questions. Quatrième point. Nos enfants ont une injonction à l'exhibitionnisme numérique. Injonction veut dire obligation. Ils ont une forme d'obligation. Celui qui n'a pas Instagram, WhatsApp, Snapchat, Pinterest ou autre, ça peut être un petit peu compliqué pour lui pour la création du lien social. Alors bien sûr, vous allez me dire, oui, mais on n'a pas besoin parce qu'il rencontre ses camarades à l'école et puis aussi au sport. Oui, mais tout ce qui se passe en dehors de l'école, tous les échanges qu'ils peuvent avoir sur WhatsApp, par exemple, est extrêmement important. Les prochains rendez-vous avec les copains, la prochaine sortie, etc. Et derrière ces outils, vous avez une invitation à parler, à dire, à poster des photos. Je pense notamment à Instagram. D'où vient cette injonction qui est quand même étonnante? Parce que pour vivre heureux, vous vous cachez. Enfin, on n'a pas vocation, tout ça, tout est allé. En tout cas, dans ma génération, c'était pas la norme. D'où ça vient? Eh bien, il y a différents éléments que j'aimerais présenter. Premièrement, cette injonction vient des plus grandes structures. Je vous laisse lire le titre. Encore une fois, il est autoporteur. Je vais vous présenter, je vais vous expliquer aussi ce graphe que j'ai fait, mais sur la base d'un document scientifique écrit par des ingénieurs de chez Facebook. Des ingénieurs très, très heureux de leur travail, ingénieurs Facebook, ont expliqué que sur Messenger, qui est l'outil de discussion de Facebook, sur Messenger, ils avaient déterminé un pattern, comme on dit en anglais, hein, un modèle qui peut déterminer quand deux personnes couchent ensemble. Et ce modèle, vous l'avez à l'écran. Quand, entre deux personnes, vous avez des interactions continues, linéaires, c'est la première partie de mon graphe avant ligne rouge, continues et linéaires, et qu'à partir d'un certain moment, il y a une rupture, avec une reprise douce, c'est le pattern, donc c'est le modèle de discussion de deux personnes qui ont couché ensemble. Ce que je veux dire par là, c'est que les pouvoirs d'investigation de Facebook sont absolument considérables. Ceci est un document scientifique. Enfin, moi, j'ai fait un graphe à la main levée parce que je ne voulais pas avoir de droit d'auteur à payer, donc j'ai reproduit. Bon. Mais je vous donnerai les références du document dans lesquelles les ingénieurs disent ça avec beaucoup de bonhomie et beaucoup de plaisir de montrer qu'ils sont extrêmement forts. Il faut savoir que Facebook a 100 000 critères et ça n'est pas un chiffre au doigt mouillé, c'est le chiffre officiel. Facebook a 100 000 critères d'analyse de votre personnalité. Il y a des critères qui sont évidents. Allons sur Facebook. Alors, je vais aller sur mon vrai Facebook. Je ne vais pas aller sur mon Facebook parce que de toute façon, c'est filmé, donc je ne vais pas non plus faire des bêtises. Mais quand vous allez sur Facebook, vous pouvez faire dérouler votre fil d'actualité. C'est un critère. La vitesse de déplacement de votre souris est un autre critère. Quand vous cliquez, c'est un critère. Quand vous mettez un smiley, c'est un critère. Quand Jean m'envoie un message, l'analyse du contenu de ton message est un autre critère. Tu mets des smileys, c'est un autre critère. Je te réponds ou pas, c'est un critère. Vite ou pas vite, c'est un autre critère. On peut rapidement arriver à 100 000. Et avec ces 100 000, on voit que notre ami Facebook nous connaît mieux que nos parents. Et des chercheurs ont expliqué qu'au-delà de 100 interactions sur Facebook, une interaction, c'est par exemple un message que j'envoie à Jean. Au-delà de 100 interactions, Google nous connaît mieux que notre meilleur ami. Au-delà de 150, Google nous connaît mieux... Je dis Google, non, Facebook, je suis sûr sur Facebook. Hein. Facebook nous connaît mieux que nos parents. Au-delà de 180, Facebook nous connaît mieux que notre conjoint. Encore une fois, ce n'est pas des chiffres doigts mouillés, ce sont des publications scientifiques. Alors, ça rapporte quoi tout ça? Ben, notamment la capacité de vendre aux banques notre capacité à rembourser un crédit. C'est intéressant, ça. Et puis, il y a plein de choses aussi. Ça peut permettre à Facebook de savoir si vous êtes en forme, il faudrait mieux augmenter votre police d'assurance, ou pas. Et on va aller vers tout ça. Ici, vous avez une autre infographie que j'ai réalisée. Vous aurez les supports, vous pourrez lire à tête reposée, mais l'idée, c'est de montrer que nous sommes nus. Et je tire cette expression d'un livre de Marc Dugain, « L'homme nu ». Je vous en recommande la lecture, je vois quelques personnes qui l'ont lu. « L'homme nu » de Marc Dugain, « Nous sommes nus vis-à-vis des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft ». Google Search, Google, c'est ce que vous recherchez. Google scanne vos mails. Chrome,
Votre navigateur connaît votre navigation et vos mots de passe. YouTube connaît vos centres d'intérêt, y compris votre état psychologique. Parce que si vous regardez des vidéos de chats sur YouTube, c'est pas la même chose que si vous regardez des vidéos des atrocités de Daesh. L'état psychologique peut transparaître au travers de ce que vous regardez sur YouTube. Oui, monsieur, question. Oui, est-ce que la vente de ces informations est légale ? La quoi ? La vente. Est-ce que vous avez signé les conditions générales d'utilisation de Facebook ? Bon. C'est QFD. Donc c'est une excellente question, mais bien sûr c'est légal au regard de la loi américaine, qui fait foi en l'occurrence. Si vous n'êtes pas d'accord, c'est le tribunal de Sacramento qui est compétent. Welcome. Voilà. Donc on est piégé, en quelque sorte. Alors, cette injonction à l'exhibitionnisme numérique, vous remarquerez quand même que je n'ai pas répondu jusqu'à présent. J'ai rajouté deux sous à la musique, mais je n'ai pas répondu. Eh bien, l'explication se trouve ici. Vous avez deux structures qui vivent à plus de 80% de la publicité. Or, une publicité a d'autant plus de valeur que l'on connaît la cible. Jérôme, si je t'envoie des publicités sur des appareils de musculation, ça ne va pas t'intéresser. Bon, on est bien d'accord. Eh bien, c'est ça l'intérêt. Plus je te connais, plus je t'envoie une pub ciblée, et plus tu vas cliquer dessus, tout simplement. Et l'exhibitionnisme numérique, l'injonction à l'exhibitionnisme numérique, est un corollaire du modèle économique de notre ami Google et de notre ami Facebook. Mieux il vous connaît, plus il a de valeur. C'est QFD. Et les jeunes générations qui sont totalement tombées dans le panneau parce que nous ne leur avons pas dit et on ne leur a pas expliqué, eux sont totalement à poil vis-à-vis de ces grandes structures. Mais ce n'est pas tout. Je casse l'ambiance totale, mais après je vais relever le truc. T'inquiète pas, enfin, je vais essayer. Cinquième point. Êtes-vous propriétaire de vos données ? Alors, je rejoins la question de monsieur. Vous avez demandé est-ce que c'est légal ? C'est une excellente question. Et c'est une excellente transition vers le cinquième point. Êtes-vous propriétaire de vos données ? Ben, bien sûr, super. Alors, t'as un mail, t'as quoi comme mail ? T'as Gmail ? Ah, c'est pas moi, j'ai un mail. Ah oui, alors, vous avez un mail, vous avez quoi comme mail ? Gmail aussi. Bon, Gmail, certainement. Bon, peu importe, Gmail, on va dire Gmail. De toute façon, j'ai 80% des personnes dans le monde ont Gmail, donc c'est Gmail. Votre navigateur, c'est Chrome ? Non. Firefox ? Opera, Safari ? Tor, vous êtes sur Tor. Internet Explorer, c'est Microsoft, c'est super. Vous avez un profil ? Oui, bon. Firefox, ok. Qui a un profil LinkedIn ? Qui a un profil Facebook ? Qui a un profil Twitter ? Qui a un compte Gmail ? Qui utilise Chrome ? Qui a des documents sur Google Drive ? Qui regarde YouTube ? Ben voilà. Toutes ces données ne vous appartiennent plus, parce que dans les conditions générales d'utilisation, il est bien stipulé qu'à partir du moment où on utilise la plateforme, ça appartient à la plateforme. Point barre. Et je me suis amusé à prouver que la compilation de données de nos amis des GAFAM va bien au-delà de ce que l'on exprime. Parce que tout à l'heure, dans le point numéro 4, j'ai dit qu'il y a une injonction à l'exhibitionnisme numérique. Donc je poste des photos de moi parce que je suis content de montrer mes photos de vacances. Et je dis que j'ai mangé un super taboulé parce que j'aime bien le taboulé. Mais là, j'exprime les choses. Le problème, c'est que la capacité à analyser ce que nous sommes va bien au-delà de ce que l'on dit ou on a l'impression de dire. Par exemple, dans cette vidéo, on voit une capture d'écran en haut à gauche. Je rappelle que si vous pouvez faire une commande vocale sur votre téléphone, style OK Google, c'est que votre micro fonctionnait avant que vous fassiez la requête vocale. C'est tout bête, mais ça vaut quand même le coup de le rappeler. Alors, pour le fun, je ne vais pas vous montrer la vidéo, parce que ça serait un peu bête de me montrer moi en vidéo alors que je suis devant vous. Par contre, je vais vous montrer la page Chrome, pas la page Google, où on peut retrouver son activité. Ça s'appelle My Activity Google. Allons-y. Alors attendez, je vais faire une petite modification. Voilà. Donc là, je suis sur ma page My Activity Google. J'ai, à partir de cette interface, toute mon activité. Voilà. Et là, d'ailleurs, vous pouvez voir que j'ai été sur Airbnb. Et puis, il y a du Huawei Android 8 quelque chose. Et puis, ceci. Et puis, j'ai été voir le profil de Michael Hayden sur Wikipédia, etc., etc. D'accord ? Bon, ceci est donc une représentation de mon activité. Mais si je tape le mot tarte,
je vais avoir ma dernière requête vocale où j'ai demandé à mon ami Google la recette de la tarte aux pommes. Et on peut réécouter l'enregistrement, c'est ça qui est drôle. Et je vous propose de réécouter l'enregistrement. C'est parti. C'est une requête vocale. Ok Google, recette de la tarte au potiron. Alors, oui, c'est pas aux pommes, c'est au potiron, mais peu importe. C'est le début qui est intéressant. Non, c'est une requête vocale. Ok Google, recette de la tarte au potiron. Et vous avez compris l'idée, je vais vous en montrer une autre. Juste pour le fun. Blablabla. Ok Google. Ah, c'était pour le recette test, de la tarte aux poires. J'étais tout simplement devant un groupe exactement comme le vôtre. J'avais mon téléphone en main. J'ai dit, je vais vous montrer que votre téléphone vous enregistre en permanence. Blablabla. Ok Google. Et je fais réécouter. Et on se rend compte qu'on a bien les 2 secondes qui précèdent. Comment Google peut-il savoir qu'on va lancer une requête vocale? Il ne peut pas le savoir. Ça prouve que l'enregistrement est permanent. CQFD. Et ça commence à faire beaucoup. Quand on sait qu'en plus, vous avez dans votre téléphone les moyens de vous localiser en permanence, sur MyActivity, vous pouvez aussi retrouver vos déplacements, que vous avez un accéléromètre qui calcule le nombre de pas et votre célérité. Si vous marchez lentement, c'est que vous avez peut-être un problème de poids. Ou vous êtes fait opérer, vous avez un bobo, ça peut intéresser les assurances, etc. etc. Et bien tout ceci montre que la compilation des données va au-delà de ce qu'on a l'impression de donner. Si je poste une photo de moi, je le fais sciemment, mais je ne suis pas censé savoir qu'il y a un enregistrement potentiel de tout ce que je dis. Je ne suis pas censé savoir que Google ou Apple peut tracer mes déplacements en continu partout où je vais. Jean, avant d'aborder le dernier point. Vite fait, une petite question. Logiquement, dans les paramètres de Google, il m'est possible de paramétrer « je ne souhaite pas être tracé, je ne souhaite pas être enregistré, je ne souhaite pas ceci, je ne souhaite pas cela, etc. » En fait, il y a quand même Google, il y a une certaine transparence et il y a un mot important, il y a la confiance numérique. Donc, la quoi ? J'ai la confiance numérique, je répète. Donc, ce mot, la confiance, c'est-à-dire que si j'ai confiance en Google et que je paramètre, je ne veux pas être tracé, je ne veux pas être écouté, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Est-ce que je peux avoir confiance? Alors, je précise que j'ai en plus un téléphone Huawei. Alors, est-ce qu'on peut avoir confiance? C'est une bonne question. Moi, au départ, j'avais, comme tout le monde, une parfaite confiance en Google, épaté par la force de l'outil. J'ai découvert Google en 2000-2001, à l'époque où je faisais mon master en intelligence économique. L'outil était génial. À l'époque, rappelez-vous, c'était AltaVista, c'était Hotbot, Lycos, Infoseek et les autres. Et on a tous fait ça. Quand on a vu apparaître Google, on a testé une requête dans AltaVista et puis dans Google. Google rapportait 10, 20, 30, 50, 100 fois plus de résultats. Et du jour au lendemain, on a tous abandonné nos moteurs de recherche traditionnels pour Google. Donc au départ, la confiance était totale. L'outil est génial. Et en fait, pour ma part, la rupture de confiance est intervenue quand j'ai découvert les opérateurs de recherche. Je me suis dit, mais comment ça se fait que Google ne nous en parle pas? Et ça m'a mis dans un état pas possible en me disant, mais c'est pas possible que cet outil nous cache sciemment des éléments qui sont aussi utiles. Et j'ai creusé. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, j'adore les pléonasmes, je peux vous dire qu'actuellement, je n'ai plus aucune confiance dans Google. Plus aucune. Si tu refuses l'enregistrement, qu'est-ce qui te dit que tu n'es pas enregistré quand même? Et simplement, c'est gardé par ailleurs, mais tu n'as plus accès aux enregistrements. Quand tu ne veux pas être tracé, qui te dit que tu n'es pas tracé quand même et que tu n'as plus accès à la visualisation de tes déplacements? Google, c'est une boîte noire, ni plus ni moins. Donc, on ne peut pas savoir. Et de toute façon, il y a plein de preuves qui indiquent la duplicité de notre ami Google et des autres GAFAM. Là-dessus, il y a des rayonnages entiers de preuves sur ces éléments-là. Il y a des éléments bizarres aussi. Comment ça se fait, par exemple, que Google ait pu s'approvisionner en essence auprès du Pentagone jusqu'en 2014, lors de la réalisation de Street View? Ça paraît bizarre. Il a pu s'approvisionner en essence gratuitement auprès du Pentagone. Pourquoi? Pourquoi? C'est Pierre Bélanger qui le raconte dans son livre sur la souveraineté numérique. J'ajoute, il y a le Patriot Act. Alors ça, c'est une autre rigolade. On en parlera après. D'accord.
Dernier point sur la maîtrise d'Internet, il faut aussi savoir gérer leur temps d'écran récréatif, et c'est très compliqué, je n'y arrive pas avec mes enfants. N'empêche que là, vous avez sous les yeux un test qui a été fait entre des enfants qui regardent la télé 60 minutes par jour, d'autres 180, et je pense que ça se passe de commentaires. Très bien, ça fait une heure que je parle, un peu moins d'une heure, parce qu'on a commencé à 45. J'avance tout doucement vers le troisième point. Je pense que ce manque de maîtrise va nous coûter cher. Pourquoi ? Parce que, premièrement, la collecte d'informations est énorme sur nous, mais encore plus sur nos enfants, parce que eux, ce sont les victimes de cet exhibitionnisme numérique forcené. La collecte est énorme. Et quels sont les impacts de cette collecte ? Eh bien, ce n'est pas drôle. Premièrement, ils reçoivent de la pub. Rappelez-vous, Google et Facebook, ce sont fondamentalement des régies publicitaires. Bon, ce n'est pas encore trop grave. Ça, ça passe. Plus gênant. Pourquoi les Américains sont dans une logique de compilation des données comme ça ? Vous savez comment marchent les outils d'intelligence artificielle ? Il faut les alimenter en data. Alors après, on va me dire qu'il y a des outils auto-apprenants parce que DeepMind a su jouer contre lui-même et battre le joueur de Go. Peu importe, il y a des contre-exemples. N'empêche que, généralement, une intelligence artificielle, il faut l'alimenter. On l'alimente en data, puis après, elle sait faire les choses. Il faut 100 000 photos de chats pour qu'une intelligence artificielle reconnaisse une photo de chat. 100 000. Eh bien, vos données, qu'est-ce que vous pensez que... À quoi ça sert ? Ça sert à alimenter les IA. Et donc, vous avez des intelligences artificielles qui sont gérées par IBM, par Microsoft, par Google, par les autres, et qui servent à tester des modèles économiques, tester des produits. Et nous allons voir petit à petit arriver des nouvelles solutions qui ont été testées par les IA des GAFAM, sur la base de nos profils, parce que nous avons tous un profil numérique, même ceux qui essayent de se cacher, comme moi, nous avons tous un profil numérique, un double numérique, et c'est sur la base de ce double numérique qu'actuellement, les intelligences artificielles des GAFAM sont entraînées, et bien tôt ou tard, qu'est-ce qui va se passer ? Bien, c'est bien simple. Actuellement, je vous donne un exemple, actuellement, le modèle assurantiel en France fonctionne sur les statistiques, telles classe d'âge à tel pourcentage d'avoir un infarctus, d'avoir une crise de foie, et donc ou d'avoir un accident. Vous avez une voiture rouge, bah, vous avez plus de chance, c'est comme ça, bon, tant pis pour vous. Et donc ça fonctionne sur la base de la statistique. Et puis après, on remue tout ça avec une grosse cuillère, et puis après, vous allez payer votre assurance un certain montant, parce que votre classe d'âge, parce que, très bien. Mais quelque part, c'est de la stat. Jérôme, tu as sans doute une vie exemplaire, tu fais du sport, tu manges sain, tu manges bio, etc. Et tu payes trop par rapport à ce que normalement tu es. Eh bien, petit à petit, vous avez les assureurs qui tapent à la porte des GAFAM et qui disent « Vous pourriez pas me donner les stats de Jérôme, là ? Parce que j'aimerais bien lui faire un truc sur mesure. » Et ton assureur va revenir faire toi en disant « Mais écoute, Jérôme, finalement, tu as une vie exemplaire, hop, 10% de moins. » Et tu vas accepter parce que c'est vachement intéressant. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va passer du modèle statistique assurantiel au modèle personnalisé, grâce aux intelligences artificielles qui ont fait travailler quelque part leurs données, nos doubles numériques, et qui ont conçu des modèles qui soient parfaitement adaptés à ce que nous sommes. Qui va refuser ça ? Qui va refuser de payer moins parce que le modèle est plus adapté ? Personne. Donc au départ, la cohorte des gens qui vont accepter, c'est ceux qui sont le plus vertueux. Les autres, petit à petit, n'auront pas le choix. Et ainsi de suite. Ça, c'est le deuxième effet. Petite question. Quelle confiance peut-on donner à la confidentialité des données, par exemple ? Tu parlais des informations de consommation. Est-ce que je vais au restaurant ? Est-ce que je fais du sport ? Et je pense que sur les relevés bancaires électroniques, donc quand tu accèdes à tes comptes bancaires, maintenant, on te dit que c'est des accès sécurisés. Quelle confiance, là encore, on peut donner à la sécurisation de ces accès et à la confidentialité des informations telles que les relevés bancaires qui donneraient, pour le coup, énormément d'informations de ce type ? Alors, je pense que ta question est à tiroir. Il y a plusieurs choses. L'accès à tes données quand tu es en HTTPS, c'est une première petite réponse. Bon, là, normalement, c'est sécurisé. HTTPS, c'est une sorte de tuyau entre toi et le serveur que tu consultes. Bon, là, il n'y a pas de problème. Deuxième partie de la réponse, est-ce que ta banque qui conserve ces données, elle est bien protégée ?
C'est un peu comme ça que je comprends aussi ta question. Oui, mais enfin, tout le monde se fait hacker. Le Pentagone s'est fait hacker, Bercy s'est fait hacker, que la BNP se fasse hacker ou la Société Générale ou le Crédit Mutuel, ça ne m'étonnerait absolument pas. Donc ça, c'est un deuxième élément de réponse. Troisième élément de réponse, est-ce que ta banque échange tes données avec des tiers ? Oui, enfin, de toute façon, vous savez que de toute façon, il y a un régime qui s'appelle SWIFT qui fait que tout paiement en ligne passe par nos amis américains. Donc nos amis américains ont une copie d'absolument tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Vous achetez une paire de chaussettes, un string ou une capote, c'est connu et su. C'est comme ça. C'est pour vérifier qu'il n'y a pas de malversation et que c'est sous prétexte de sécurité. Donc là-dessus, si tu veux, confidentialité de quoi ? Non. Donc une société qui passe de dépenses où il y a beaucoup d'échanges de liquides à maintenant le tout numérique avec les cartes bleues, finalement, c'est aussi une perte quelque part de confidentialité des données. Total, total. Merci. Je t'en prie. Oui. Et même la crypto-quantique peut pas y remédier ? Alors la crypto-quantique, je suis pas un spécialiste, mais grosso modo, la capacité à utiliser des ordinateurs quantiques, alors un ordinateur normal, ça fonctionne 0, 1, c'est un bit, hein, c'est binaire. Le quantique, c'est 0, 1 ou peut-être les deux, on ne sait pas. Mais ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et les ordinateurs quantiques vont être une arme à double tranchant. D'une part, pour maximiser la sécurisation de tout l'environnement numérique, et d'autre part, pour attaquer aussi les choses. Donc voilà, quelqu'un qui par exemple veut passer par OVH, on vous héberge, c'est un hébergeur, et veut que ses données soient cryptées pour des raisons XY, ça peut être Thales par exemple, ça peut être Safran, peu importe, veut que ses données soient cryptées. Bon, le quantique va aussi permettre de faciliter le décryptage des éléments qui sont cryptés. Donc c'est une arme à double tranchant et ça va surtout servir les profits de ceux qui le maîtrisent. Et d'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure parce qu'actuellement en Europe, on n'est pas bien balèze là-dedans. Deux questions en même temps, mais je pense que c'est monsieur qui est dans le fond. Oui, il y a une question. Il tire des conclusions sur les profits des gens, sur ce qui les intéresse. Mais est-ce que ça a été vérifié scientifiquement ? Est-ce que les résultats des conclusions qu'il tire sont vérifiées ? Parce qu'on peut tirer toutes les conclusions qu'on veut, ça peut être particulièrement faux. C'est une excellente remarque. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont un profil Facebook, vous êtes aperçu très certainement que la publicité parfois est totalement décalée. Moi, par exemple, pour reprendre mon exemple de tout à l'heure, j'ai comme proposition des appareils de muscu. Bon, ne rigolez pas. Donc voilà. Donc en effet, c'est totalement décalé. Donc là, on peut dire que le ciblage publicitaire n'est pas bon. Et donc la connaissance par Facebook de Jérôme Bondu n'est pas bon. Donc ça va dans votre sens. Par contre, le temps joue à notre défaveur. Et nos enfants qui, dès l'âge de 11 ans, 12 ans ou 13 ans, ont un profil Facebook et l'alimentent et l'alimentent et l'alimentent, là, on peut se dire que plus ça va aller, plus ça sera fin. Il me semble qu'il y avait une question aussi, oui. Donc, je voulais rebondir sur les banques. Donc, quand je fais sur mon accès de bancaire, on me demande de mettre un code d'accès à 6 chiffres. Et ouais. Si je veux mettre plus ou si je veux mettre des caractères, on me l'interdit en France. Ah ouais, c'est génial ça. Ouais. Chez pratiquement toutes les banques. Ça me paraît un peu léger. Et je pense que même un étudiant dans sa chambre en Russie pourrait s'amuser à hacker mon compte bancaire sans trop de problèmes. Est-ce que ça vous paraît normal et pourquoi est-ce qu'on en est là en France ? C'est pas pareil dans d'autres pays. Super. Quel est le mot de passe le plus robuste ? Le premier. Celui-là, le plus robuste ? Oui. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caractères. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, une vingtaine de caractères. Il n'y a pas photo. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a le mot cheval, et puis château, bon, j'ai fait exprès de faire une erreur, et puis bois, et puis tralala. Donc c'est des mots de dictionnaire. Ouais, c'est des mots de dictionnaire, par contre, à 20 caractères, ça va être quand même difficile à craquer. Même si on repère le mot cheval et le mot château, il n'y aura pas bois, il n'y aura pas tralala. C'est un copain qui m'expliquait ça, qui est super balèze dans le domaine, et il parle d'entropie. Alors non pas anthropos, l'homme, mais entropie dans le sens complexité. Il m'a dit, ce mot de passe-là est facilement craquable, même s'il n'a aucun sens. Parce que de toute façon, on va attaquer par force brute, et puis on va tester A, 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 B, A, 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 C, etc., avec tout ce qu'il faut. Et tôt ou tard, il va tomber. Celui-là, 20 caractères, ne tombera pas. Voilà. Et donc, pour répondre à votre question, cette obligation de faire des mots de passe à 6 caractères ou 8 caractères... 6 chiffres. Ou 6 chiffres, pardon, 6 chiffres ou 8 chiffres, c'est d'une absurdité totale parce qu'en fait, c'est hyper fragile en réalité et ça ne va pas du tout.
et ça fait partie de la méconnaissance. Méconnaissance généralisée. Et de ce fait-là, je vais reprendre quelques instants la parole, histoire de pousser le sujet jusqu'au bout, puis après on va débattre tous ensemble, parce que j'ai dit que, grosso modo, je reviens en arrière, ce manque de maîtrise va nous coûter cher. Premièrement, on reçoit de la pub, ok. Deuxièmement, l'intelligence artificielle de nos amis se perfectionne sur le dos de nos données, et on va avoir un effet boomerang qui va être magnifique, avec des propositions hyper personnalisées. C'est là où je reparle des assurances, qui nous correspondent parfaitement. Et je peux vous dire que si j'étais assureur, je me ferais énormément de soucis, si j'étais banquier aussi d'ailleurs. Troisième élément, ici vous avez le département de justice américain. Qu'est-ce que ça vient faire dans la choucroute? C'est très simple. Vous avez déjà entendu parler d'Alstom? Allez, on y va, petit rappel chronologique. Alstom Power, vous avez quelqu'un qui s'appelle Frédéric Pierucci et qui était vice-président d'Alstom Power. Il a fait une escale aux États-Unis, il a été arrêté et on lui dit, mon petit, alors c'était en 2013, mon petit pote, il se trouve qu'en 2002, des collaborateurs d'Alstom Power en Indonésie, ont graissé la patte d'officiel. Oui, mais il dit, c'est pas moi, c'est en 2002, j'étais même pas dans la boîte à cette époque-là. Il dit, c'est pas grave, t'es vice-président, mon gars, tu vas aller en prison. Et grosso modo, t'as le choix entre avouer tes crimes, et on va négocier, puis t'inquiète pas, ça va pas être long. Ou alors tu refuses quoi que ce soit, puis de toute façon tu seras condamné parce que tu seras condamné. Point barre, t'as pas le choix. Au départ, il refuse, et puis finalement, il comprend qu'il est dans un traquenard. Et ce qui va se passer, c'est que le département de justice va faire pression contre lui pour remonter jusqu'à Patrick Cron, qui était patron d'Alstom à l'époque. Et ça va se solder par une amende de $700 millions assortie de la vente d'Alstom au profit de General Electric. Le problème, c'est que Alstom Power occupe la maintenance, s'occupait de la maintenance de nos centrales nucléaires, et plus exactement des turbines. Alors, sans faire un cours de nucléaire, vous avez une fission nucléaire qui dégage beaucoup de chaleur, ça fait chauffer l'eau qui part en vapeur, qui fait tourner une turbine qui produit l'électricité. La turbine tourne, la turbine est l'élément central. Elle est maintenant maintenue par General Electric. Et Frédéric Pierucci dit ben, c'est un peu dommage d'avoir confié notre souveraineté énergétique. 80% de l'électricité en France provient de nos centrales nucléaires. Donc ça, la lumière, c'est centrale nucléaire. C'est un peu dommage de l'avoir confié à General Electric parce que General Electric n'hésitera pas à faire pression. Vous pourriez dire non, ce sont nos alliés. Et Frédéric Pierucci présente dans son livre « Le piège américain », je vous en recommande la lecture, il présente des cas où il y a déjà eu pression. Par exemple, vous savez qu'un porte-avions porte des avions, sauf que la surface de décollage est assez courte quand même. Et donc, sur un porte-avions, il y a ce qu'on appelle une catapulte qui projette l'avion. Il n'y a que les Américains qui font des catapultes, et dans les années, dont il y a quelques années, je ne sais plus quand exactement, il y avait un différend de gouvernement en gouvernement entre les Français et les Américains. Les Américains ont dit « plus de catapultes ». Donc, le Charles de Gaulle ne servait strictement à rien. Et il y a un autre cas où General Electric qui a un contrat avec EDF. Il y a un autre cas où General Electric a refusé de fournir des pièces de rechange, ce qui fait que le patron de l'époque, c'était peut-être Lévy, je ne sais plus exactement, le patron d'EDF, sinon ça doit être après, mais peu importe, le patron d'EDF a écrit à General Electric, au patron, en disant « Écoute mon gars, on est en rupture de stock total, soit tu nous livres les pièces, soit ça va être le gros bordel chez nous. » Voilà. Vous savez très bien aussi que le gouvernement américain fait pression sur Google pour qu'il n'y ait plus de fourniture d'Android, le système d'exploitation, à Huawei. L'interconnexion est forte entre les entreprises américaines et le gouvernement. Croire que General Electric va honorer un contrat si le gouvernement américain, Trump par exemple, lui exige d'arrêter, croire cela est d'une naïveté considérable. Nous ne sommes plus indépendants sur la fourniture d'énergie. Alors vous allez me dire, Jérôme, quel rapport avec la choucroute ? Deuxième fois que je le dis. Ben, c'est très simple. Quand vous avez les avocats, alors les avocats ne travaillent pas forcément, enfin, les avocats américains de Frédéric Pierucci, il l'explique très bien avec beaucoup d'humour, ne l'ont pas forcément aidé, mais peu importe. Frédéric Pierucci raconte qu'un jour, il a vu arriver quelqu'un avec une pile comme ça de documents. 20 000 pages, je crois. Et on lui dit, ben voilà, là-dedans, il y a les preuves de ta culpabilité, mon pote. Et il a commencé à lire, alors il n'a pas tout lu, évidemment, hein. Il a commencé à lire et il a vu qu'il y avait des mails, dont certains dataient de 2002. Et il s'est dit, mais ils ont gardé les mails de 2000. Alors des mails, attention, hein, entre collaborateurs de l'entreprise. Mais qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel? Eh bien, c'est pourquoi j'ai mis le doge. C'est-à-dire que nous sommes sur
le manque de maîtrise qui nous coûte cher, et la dépendance aux outils américains, et notamment aux mails, est gênante, parce que les mails, à l'image de ceux qui ont été présentés à Frédéric Perucci 13 ans après les faits, 12 ans après les faits, prouvent bien qu'il y a conservation, compilation et utilisation. Alors je sais bien que le Rotary, c'est américain à la base, mais là quand même. Mais après, je vais taper un peu sur le chinois, rassurez-vous. J'étais Rotary moi-même, je ne vous l'ai pas dit, j'étais paste-présidente du club Paris-Notre-Dame, c'était une très belle expérience. Mais il faut appeler un chat un chat. Et de toute façon, je pense que nos Américains nous apprécient d'autant plus que quand on est quand même leurs alliés sur bien des points. Je pense qu'il faut quand même aussi que quelque part on ramène certaines réalités, on présente certaines réalités. Et je pense que quelque part la France est un des pays qui peut se permettre de le faire. C'est pour ça qu'il n'y a aucun anti-américanisme dans mon propos, il y a simplement le fait que j'essaye de mettre les points sur les i avec un allié, qui doit rester un allié, mais qui doit aussi dans certains cas mieux se comporter. Petite précision importante. Et enfin la NSA, parce que la NSA est le grand donateur du numérique cette entité d'espionnage, il faut appeler un chat, hein, est dans une logique de compilation, et c'est quelque part eux qui ont conservé tout ça. Alors qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec tout ça? Ben, plein de trucs. Par exemple, nous racheter des entreprises sur la base d'un mauvais comportement de quelques collaborateurs 12 ans avant les faits. Ils peuvent changer une vision du monde aussi. Imaginons que nos enfants aient un devoir à faire sur Charles de Gaulle. Ils tapent Charles de Gaulle dans Google. Et Google se fait un malin plaisir à mettre en avant des éléments négatifs sur le grand homme. Je vous rappelle que la vision de Churchill de De Gaulle était très mauvaise, tout comme la vision d'Eisenhower. Qu'est-ce qui empêcherait Google de mettre en avant la vision d'Eisenhower et de Churchill? Rien, mais rien ne les empêche. Du coup, qu'est-ce que veut dire notre enfant? Que De Gaulle était instable, que Google a pris des décisions qui ont nui à la réussite de telle ou telle opération, que De Gaulle a voulu intervenir en Afrique et que l'opération maritime s'est soldée par un échec. Tout ce que je dis est historiquement prouvé. D'accord ? Ce sont des vrais faits. Qu'est-ce qui empêche notre ami Google de mettre ça en avant ? Du coup, notre gamin, qu'est-ce qu'il va se dire ? Il va dire, De Gaulle, vraiment, je ne vois pas pourquoi on en fait tout un foin. Notre vision du monde et la vision du monde de nos enfants est liée à la captation d'informations que leur offrent les outils numériques. Nous ne le maîtrisons pas, donc nous ne maîtrisons pas notre passé. Et comme a dit 1984, écrit bien évidemment par Orwell, qui possède le passé, possède le présent, qui maîtrise le passé, maîtrise le présent, qui maîtrise le présent, maîtrise le futur. Nous n'avons plus de maîtrise de notre passé, de notre présent et de notre futur. Alors, quelle est la réaction de nos enfants? Eh bien, je voulais dire, parce que au-delà de mon activité de consultant, de conférencier, je prends un malin plaisir à aller vers les étudiants et je donne des cours en école de commerce et école d'ingénieur. Petit florilège, quand je présente les éléments, leur première réaction c'est faux. Verdict, c'est faux, c'est pas vrai, je dis n'importe quoi. Voilà, alors je montre que c'est vrai. Deuxième réaction, ok c'est vrai mais je suis pas une cible. C'est vrai qu'un individu en tant que tel n'est pas une cible. Je ne suis pas une cible et vous ne l'êtes pas non plus. Angela Merkel, oui, mais pas moi, pas vous. Très bien. Oui, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas de se sentir une cible. C'est l'ensemble des étudiants qui ont entre 22 et 25 ans à Paris et qui font école de commerce, qui représentent une cohorte, comme on dit en sociologie, qui est la cible. Donc l'individu n'est pas ciblé. C'est l'ensemble qui est intéressant. Ok, je fais partie des cibles, mais je n'ai rien à cacher. Ok, mets-toi à poil. Voilà, c'est la meilleure des réponses. On a tous des choses à cacher. Bien évidemment. Alors, cacher un compte en banque, combien tu gagnes, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari, on a tous des choses à cacher. D'autant plus que, généralement, ils disent ça parce qu'ils sont dans un moule. Voilà, étudiants, école de commerce, tout va bien pour eux, disons, des parents qui ont de l'argent, tout roule. Mais moi, je leur dis, mais attention, les enfants, parce que vous savez que les modes changent. Vous savez que l'alcool a été interdit à la cantine en 1976. Vous savez qu'une fessée avant était thérapeutique. Vous savez que l'homosexualité était interdite jusqu'à telle date. Vous savez que les femmes n'avaient pas le droit de voter en France avant 1946. C'est-à-dire que la culture change. Aujourd'hui, vous ne vous sentez pas avoir des choses à cacher parce que vous êtes dans le moule. Mais qui vous dit que dans 30 ans, être rotarien soit vu négativement? Et toutes les photos de rotariens que vous avez postées sur le web, c'est un exemple tout à fait théorique, on est bien d'accord, mais c'est un peu l'idée.
C'est un peu l'idée. Je ne parle même pas de la franc-maçonnerie. Voyez. Donc les modes changent, la culture change, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Et ce sentiment de protection et d'anonymat qu'offre le fait que tout le monde soit pareil n'a qu'un temps. Ils disent après, ok, on a des choses à cacher, mais je gère. C'est leur mot à la mode. T'inquiète, je gère. Mais ils gèrent rien du tout, les pauvres. Absolument rien. On leur a dit qu'ils étaient super balèzes en Internet, parce qu'ils sont agiles avec leurs pouces. Mais en fait, ils ne maîtrisent rien. Vous savez que mon père est plus balèze en Internet que mes enfants. Voilà, tout simplement parce que lui, il a vu le truc évoluer. Et puis lui, il ne sait pas coder, mais il sait rentrer dans le DOS, il sait faire plein de trucs. Il comprend la complexité d'Internet. Mes enfants, mais alors, ne leur parlez pas d'un routeur, ne leur parlez pas d'un serveur. Ils n'y comprennent rien. Ok, je ne maîtrise pas, mais ce n'est pas grave. Mais si, c'est grave. On l'a vu tout à l'heure, parce qu'en fait, on n'a plus de maîtrise sur notre passé, notre présent, notre avenir. Ok, c'est grave, mais en fait, on a tous à y gagner. On travaille avec les GAFAM, ça apporte de la productivité, c'est génial. Mais ça n'a qu'un temps, c'est hyper court terme. Ok, c'est grave, mais on n'y peut rien. Et là, les bras m'en tombent, parce que justement, on y peut beaucoup, et ça va être la dernière partie de ma présentation. Alors, quelle solution ? Premièrement, pas d'injonction négative. Ne regarde pas ton compte Facebook, c'est ridicule. On va faire un test. On va aller voir si l'injonction négative fonctionne avec vous. Vous avez tous perdu. Eh bien, quand vous dites à votre enfant de ne pas faire ça, c'est exactement la même chose. Deuxième élément, adapter nos conseils à leurs besoins. Vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow ? Eh bien, c'est la pyramide de Maslow adaptée. Voilà. Donc il faut s'adapter, c'est la meilleure des choses, c'est comme ça que ça passera. Il faut aussi leur rappeler l'histoire d'Internet. Qui sait que le web a été inventé en France ? Je n'ai pas bu, c'est exact. Le web a été inventé en France par... Alors attends. Tim Berners-Lee, qui travaillait au CERN, le CERN qui est à cheval entre la Suisse et la France, et le bureau de Timothée Berners-Lee, était en France. Le web a été inventé par un ingénieur anglais travaillant avec Robert Caillot, un Belge, sur le territoire français. À côté de ça, vous avez Louis Pouzin, qui est l'inventeur du datagramme, et de l'UDP, qui est à l'origine du TCP/IP, amélioré par Winterserf et Robert Kahn. Vous avez une part européenne dans la création d'Internet qui est totalement oubliée. C'est dramatique parce que nos enfants pensent que c'est un truc totalement américain, et donc les Américains ont droit de vie et de mort sur le réseau. Nous avons une part, c'est aussi notre histoire. Juste une anecdote, si tu me permets, que tu connais. J'ai travaillé en 1986 à Télécom Paris. Nous avions inventé un Internet fonctionnant sur de la fibre optique entre 1986 et 89, fonctionnant sur un réseau fibre optique. Nous avions de l'Antiope, nous avions de la vidéo avec des applettes de texte en vidéo-texte, des mots surlignés. Nous cliquions sur les... avec le Minitel. En 86. C'est balèze. Nous cliquions d'une certaine façon sur le mot, et ce mot faisait un applet de vidéo via l'Antiope et le vidéo-texte. Génial. Voilà. Alors, je ne connaissais pas cette... Berners-Lee était informé de ce projet. Ce projet était financé par France Télécom et les écoles de télécom. Et nous avions trouvé des partenaires financiers, les trois Suisses, la Redoute et la communauté économique de Bordeaux. Bien évidemment, notre opérateur a mis le chapeau sur la tête du projet scientifique. Voilà. Alors il faut savoir que... Et Berners connaissait. Et c'est de là qu'est venu l'HTML. Excellent. Puisque c'est Jean-Louis Dessalles qui était le titulaire de cette chaire. Voilà. Excellent. Anecdote. Alors, anecdote riche, et je ne la connaissais pas, tu vois, Jean. Il faut savoir que France Télécom a joué un mauvais rôle dans l'affaire, puisqu'en fait, le projet Cyclade, porté par Louis Pouzin, a été sacrifié au profit de Transpac, hein, qui est devenu le Minitel. Mais nous avions en réalité en germe ce qui allait devenir Internet. Et c'est un choix, malheureusement, qui n'est pas un choix industriel, mais qui est un choix purement politique, qui a été fait à l'époque. Donc, rappeler l'histoire d'Internet est extrêmement bon, parce que du coup, on se réapproprie les choses. Et on se réapproprie les choses, ça permet de les connaître. Quel est le graphe qui correspond le plus à Internet ? Qui pense que c'est le centralisé ? Décentralisé ? Distribué ? Qui ne pense pas ?
c'est une blague. C'est distribué, bien sûr. Ça permet de voir que Internet, fondamentalement, doit être, enfin, dans sa conception, est un outil distribué. Sauf que nous avons, pardonnez-moi la vulgarité de mon expression, nous avons merdé Internet. Puisque nous avons recentralisé un outil qui, par nature, est distribué. La centralisation porte un nom, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Et bientôt, les BATXH, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, Huawei. Là-dedans, les Européens, c'est Walou. Alors, Quant, on va en parler après, parce que justement, ça vient. Alors, il faut aussi donner l'exemple. Vous savez que... Non, je vais vous poser la question plus tôt. Par personne et par an, combien de livres sont achetés par an? Donnez-moi un chiffre. 30 livres par personne et par an. 3, 2, en France. Moins de 5. 1. 1. Livre de cuisine compris. Voilà, et donc quelque part, si on ne lit plus, ben voilà ce qui se passe. Alors, il faut aussi montrer d'autres univers, outils et leurs pratiques, et j'arrive aux solutions opérationnelles. Et c'est là où je parle de Quant. Alors, Linux, super Linux, c'est génial, il faut réintroduire Linux dans nos ordinateurs. Pourquoi c'est du Windows? Voilà. Pourquoi la défense, pourquoi la défense a un contrat de 10 millions d'euros avec Microsoft pour occuper tous, pour mettre en place pour tous ses collaborateurs, donc les personnels de la défense, du Windows et de la suite Office? Linux aurait été pas mal quand même. Alors Linux et OpenOffice, vous voyez. Pourquoi l'éducation nationale a signé un contrat avec Microsoft pour pareil équiper tout le monde? C'est un peu dommage, ce sont des millions d'euros qui partent à la poubelle, sachant qu'on peut très bien utiliser le libre. Alors, plutôt que Google, Quant, attention à Quant, moi-même dans ma communauté, communauté de l'intelligence économique, je me fais régulièrement désinguer parce que je promeux Quant. Quant est un moteur de recherche français, créé notamment par Éric Léandri, qui récemment a quitté la présidence. C'est un outil franco-allemand, puisque l'allemand Springer, l'éditeur de presse, a racheté 20% du capital. Le problème, c'est que 60% environ des résultats de Quant proviennent de Bing. Et certains disent que Quant n'est qu'un proxy de Bing. Alors, ne rentrons pas dans des détails techniques et des querelles de chapelle. La promotion de Quant m'intéresse quand même parce que ça nous dégooglise, ça nous fait perdre des réflexes d'aller régulièrement sur Google. C'est déjà ça de prix. On peut aussi utiliser comme gestionnaire de mail ProtonMail ou Tutanota, cryptage, de bout en bout. C'est quand même pas mal. On peut utiliser des suites Framasoft, par exemple, plutôt que utiliser WeTransfer pour transférer des fichiers poids lourds, Framadrop fonctionne très bien. Plutôt stocké chez OVH, que chez Amazon et ainsi de suite. D'accord ? Moi-même, personnellement, récemment, j'ai adopté un téléphone qui fonctionne avec un système d'exploitation propriétaire. Ça n'est plus Android, ça n'est pas iOS. C'est un système d'exploitation qui a été créé par Guillaume Duval. C'est pas Guillaume. Gaël Duval, qui est le fondateur de Mandrake. Voilà, pour les anciens, une version Linux. Et c'est en gros, c'est du Android sans Google. Ça fonctionne très très bien, et moi avec ça, j'ai la certitude de ne pas être fliqué, tracé par notre ami Google. Aucune paranoïa de ma part, c'est simplement l'envie, tout d'un coup, de passer dans l'angle mort de Google. Je n'ai pas envie que Google sache que je suis à l'école militaire, que je vais m'acheter des pâtisseries, que je fais mes courses dans tel ou tel supermarché, que je pars là-bas en vacances, que je marche à telle vitesse, que je regarde telle vidéo, que j'envoie tel type de mail, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il faut aussi avoir une vision globale. Ce que je montre là, ce sont des outils opérationnels pour une personne. Mais oui, mais l'ordinateur que vous achetez, c'est un matériel. Le matériel n'est pas inerte. Pourquoi on nous fait un cake avec Huawei? Parce qu'un routeur, ou un serveur, ou un ordinateur, ça n'est pas inerte. Dès qu'on l'achète, s'il fonctionne, il y a déjà du logiciel qui tourne à l'intérieur. Donc quelque part, il faut se poser la question de refabriquer des outils chez nous. Bon, voilà. Et au-delà de la vision globale, je vous propose même une vision stratégique. Parce que le numérique, tel que je le présente, est entouré d'autres éléments sur lesquels une souveraineté, n'ayons pas peur des mots, même si ce n'est pas dans le sens politique, hein, bien évidemment, ce n'est pas du souverainisme, ce n'est pas de Villiers, hein, c'est une souveraineté économique. On se demande s'il ne faut pas aussi réfléchir à obtenir
une indépendance sur le quantique, sur les terres rares, sur la blockchain, sur l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire que je ratisse large. Oui, mais, et ça sera le mot de la fin. C'est un début. Nous sommes au début d'une révolution informationnelle. Pourquoi je vous ai embêté avec les 5 révolutions informationnelles ? Pour vous rappeler que la première a été mise en place il y a 70 000 ans. C'est le langage. Et puis l'écrit, c'est il y a 5 000 ans. Et l'impression, c'est 1500 et des brouettes. Radio, télévision, téléphone, télégraphe, c'est il y a grosso modo 200 ans. Vous voyez, nous sommes aux prémices d'une révolution. On a tout le temps quelque part. On a perdu. Allez, on a perdu un petit peu. Je n'ose pas dire une bataille. Mais ce n'est pas grave. Il faut réfléchir long terme. Il faut réfléchir pour nos enfants, pas pour nous. Et puis pour nos petits-enfants. Et il faut réfléchir pour les générations à venir. Il faut que nous-mêmes puissions nous comporter en, non pas individus, mais en parents, grands-parents, arrière-grands-parents. Et fondateur d'une lignée, quelque part. Donc c'est, en quelque sorte, à nous qui avons vécu avant Internet. C'était les mots de mon introduction, vous vous rappelez. Nous sommes le dernier à avoir vécu sans Internet. On a un recul critique, on a un recul stratégique. Et c'est pour ça que malgré tous les trucs un peu négatifs et un peu anxiogènes, j'en ai bien conscience, que je vous ai dit, j'aimerais vraiment finir par une note joyeuse. On a une chance formidable. Nous sommes aux prémices d'une révolution informationnelle. Mais c'est un truc de dingue, vous vous rendez compte ? Ça serait dommage de laisser pourrir le truc. Maintenant, quelque part, je vous ai transmis le message, je vous ai apporté l'information, vous êtes au courant. Et moi, personnellement, depuis que j'ai compris tout ça, je continue à comprendre, parce que le numérique, c'est un domaine extrêmement vaste. Je suis un très petit joueur dans le domaine, en quelque sorte. Je ne suis pas informaticien, j'ai énormément de lacunes. Mais plus j'apprends, plus je me sens fort, plus je me sens fort, plus je sens qu'on peut changer les choses, plus j'ai envie de les changer, plus je le partage. Et c'est pour ça que mes derniers mots, ce seront des mots de remerciement. Remerciement au Club Rotary qui m'ont fait venir. Remerciement à Jérôme qui a été mon interlocuteur dès le départ. Remerciement aussi à André Hadet qui est un vieux complice et qui a été mon employeur il y a bien longtemps. Voilà, j'ai été ravi de partager ces moments avec vous. Oubliez les choses un peu anxiogènes. Nous sommes en capacité de reprendre le volant. Il fallait juste qu'on en prenne conscience. J'espère avoir été un bon porte-parole. En tout cas, il nous reste à débattre, à prendre un verre ensemble et à nous demander simplement comment on va faire pour que, petit à petit, auprès de nos enfants, auprès de notre entourage, auprès de l'État et auprès de l'Europe, nous puissions commencer à changer les choses. Et l'action, vous savez, c'est vraiment moteur d'épanouissement. Merci à tous. Donc vous dites ne pas être une cible, pourtant vous avez une certaine visibilité en tant qu'iconoclaste ou en tout cas personne remettant en cause certaines choses dérangeantes pour des gens très puissants. Donc je me demande si vous avez déjà des signes que quelque part vous êtes un point de focalisation pour des gens qui voient en vous éventuellement le grain de sable qui peut mettre l'engrenage en panne. Alors, j'en avais pas jusqu'à il y a environ 2 semaines où je me suis aperçu que la moitié de mes mails ne passaient plus. Voilà, j'envoie un mail, le destinataire ne le reçoit pas. On m'envoie un mail, je ne le reçois pas. 1 sur 2, en moyenne. Donc, je suis passé à ProtonMail. ProtonMail qui a été créé par le CERN comme le web. Et je vais même peut-être aller sur Tutanota qui est encore plus sécurisé, c'est un outil allemand. Mais bon, alors, voilà. Mais ça, c'est très récent, c'est il y a 2-3 semaines. Jusqu'à présent, je n'avais pas de signe. Mais alors après, c'est peut-être, je ne sais pas, bête défaut technique, hein, je ne sais pas. Oui, bien sûr. Alors, il est important qu'on utilise des pseudos parce que quand vous voulez rechercher une information sur un tiers, par exemple, vous voulez voir le profil LinkedIn de quelqu'un ou Twitter ou Facebook, il n'est pas nécessaire que vous y alliez avec votre profil réel. Donc, je vous propose de tous vous créer un univers numérique sous pseudo. Je m'explique. Vous pouvez très bien avoir plusieurs navigateurs. Et là, vous avez sur l'écran Firefox, Brave, Opera, Chrome, Chromium, Edge, Tor. Voilà. Et il y a certains de ces navigateurs dans lesquels je ne vais
que pour me connecter à des profils sous pseudo, et ça me permet d'aller chercher des informations sur des personnes dont je n'ai pas envie qu'elles s'aperçoivent que Jérôme Bondu a été sur leur profil. Alors, mon métier est particulier, je suis d'accord, mais je pense que c'est un conseil qu'on peut donner aussi à nos enfants. Pourquoi pas aussi se créer des comptes sous pseudo ? Protection, tout simplement. Le mode navigation privée aussi. Alors, le mode navigation privée, c'est pas mal, mais si jamais vous voulez aller sur Facebook, il faudra bien vous connecter. Donc, ça ne suffit pas. Le mode de navigation privée, alors on va y aller. Ici, les trois petits points, je tac, nouvelle fenêtre de navigation privée. Tout ce que je vais faire là ne sera pas... Alors, attention, je vais sur un site. Alors, évidemment, j'ai tapé n'importe quoi, donc je vais aller sur Le Monde. Hop, Le Monde... Le Monde va mettre sur mon ordinateur des cookies. Alors, on se fout bien de notre gueule quand même, parce que cookies, ça veut dire petit gâteau. On met des petits gâteaux dans mon ordinateur. C'est vraiment nous prendre pour des idiots. Donc, on va mettre des mouchards. Le Monde va mettre des mouchards sur mon ordinateur. Très bien. Et puis, je vais avoir une navigation. Je vais cliquer sur ce titre. Et puis, il y a peut-être d'autres liens. Et je vais naviguer. Eh bien, à la fin de la navigation privée, les cookies seront détruits et l'historique de navigation sera détruit. Entre nous, c'est une première étape, quelque part, dans la recherche d'anonymat, mais ça ne va pas très très loin. Ça va pas très très loin. Et je dis souvent en plaisantant, alors je vais être un petit peu cru, je suis désolé, hein, mais la navigation privée sert surtout aux enfants qui veulent aller voir du porno et qui ne veulent pas que les parents s'en aperçoivent. Je caricature à peine. Hein. On peut l'associer à un VPN. Alors un VPN, un Virtual Private Network, ça fait en sorte que votre adresse IP est masquée. Je vais vous montrer un exemple d'illustration. Ici, je vais aller sur un site qui s'appelle Trouver IP, qui me permet de voir quelle est l'adresse IP, mon adresse IP actuelle. Très bien. Et on voit quelque part que je suis identifié comme étant par ici. OK. Donc, on retient mon adresse IP. Si je branche maintenant un VPN, celui-ci est gratuit, il s'appelle Tunnel Bear, le tunnel de l'ours. Si je branche mon VPN, je vais pouvoir lui dire que j'aimerais bien avoir une adresse IP, par exemple aux États-Unis. J'active Tunnel Bear. Là, pour l'instant, je suis un mouton, mais il se transforme en ours et l'ours sort. À partir de maintenant, mon adresse IP est américaine. Et si j'actualise Trouver IP, roulement de tambour, le suspense est à son comble. La salle est en délire. Je vais donc avoir une adresse IP qui sera différente. Voilà. Et c'est vrai que c'est un complément intéressant. Après, ce qu'on peut faire aussi, c'est aller sur Tor. Et monsieur, vous avez dit que j'étais iconoclaste, et je me considère en effet iconoclaste et franc-tireur. Je fais partie de ceux qui recommandent Tor. Tor est un navigateur qui permet d'aller dans le dark web, mais je m'inspire simplement de ce qu'explique Jean-François, Jean-Philippe, peu importe, Renard, avec deux N, R-E-2-N-A-R-D, qui est un spécialiste du dark web, qui dit « Ce nom ne convient pas du tout à un outil qui, par définition, by design, comme on dit en bas breton, par définition, assure l'anonymat. Et s'il y a des choses illégales, on en fait aussi dans la rue. Ce n'est pas pour ça qu'on s'interdit de marcher sur le trottoir. Sur Tor, vous avez des choses parfaitement licites et légales. Par exemple, la recette de la tarte aux pommes. Et là, devant vos yeux absolument éberlués, vous allez avoir tout simplement la recette de marmiton. Rien d'illégal. Et là, la sécurisation est nettement, l'anonymat, pardon, est nettement supérieur à ce qu'on peut avoir avec la navigation privée. Alors, entre-temps, quand même, trouver IP. Oui, bah alors là, il y a un problème. Alors, attendez, je vais réactualiser. Je vais même fermer, puis je vais rouvrir. Comme ça, on sera tranquille. En même temps, le temps d'affichage est insupportable. Alors oui, là, en fait, c'est vrai que ça peut ralentir. Et ben voilà, je suis à... Alors attention, c'est marqué Chantilly, mais c'est pas Chantilly en France. Hein. C'est à côté de Reston, et en l'occurrence, c'est à côté de Washington. Mon adresse IP a changé, et je suis en 174.128. Machin chose, très différent de mon adresse IP précédente. Le temps de chargement peut être ralenti, ça dépend de la force de votre VPN.
et du point d'accès que vous avez demandé. Voilà. Et la recette de la tarte aux pommes, la voici. Là, je suis sur tort. Et en plus, c'est sur DuckDuckGo. Alors, on a parlé de Quant tout à l'heure comme étant un moteur de recherche alternatif. Vous avez aussi DuckDuckGo. Il faut voir que l'industrie des moteurs de recherche est une industrie éminemment capitalistique. Et je m'explique. Jérôme, imagine que tu trouves une idée géniale. Tu crées ce qu'on appelle un crawler, c'est-à-dire, grosso modo, un algorithme qui va rechercher les informations sur les serveurs et les ramène. Tu crées un crawler, c'est un truc de dingue, c'est une rupture technologique, c'est génial. Simplement, les informations que tu vas ramener du web, il faut que tu les stockes sur tes serveurs pour qu'ensuite ça soit accessible. D'accord ? Et donc, tu vas aller voir ton banquier et tu vas lui dire, j'ai une idée qui va dépoter, je vais remplacer Google, je fais dans quelques années 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, il faut que vous me prêtiez de l'argent pour acheter 1 million de serveurs. Ça coûte combien un serveur, Jérôme ? Allez, on va dire que tu en achètes beaucoup, donc tu as un prix d'ami. Combien ? 1000 euros ? Voilà, ben 1000 fois 1 million. Et ton banquier te dit ? Merci d'être venu. Merci d'être venu. Et voilà. Ceci pour dire que l'industrie des moteurs de recherche est éminemment capitalistique parce que la création du crawler en lui-même, désolé pour l'anglicisme, mais c'est le terme utilisé couramment, le crawler, donc la sonde d'aller rechercher, l'algorithme qui va rechercher les données, ça peut se faire dans la tête d'un homme. Par contre, le stockage se fait sur des serveurs. Et là, c'est cher et c'est payant. Ceci aussi pour rajouter un élément comme quoi la difficulté qu'a Quant d'émerger est lié au coût inhérent à son activité. Donc il va être obligé de faire quelque chose pour générer de l'argent. Oui, ah ben, c'est le modèle de Régipub, hein, comme tous, sans problème. Par contre, Google gagne 50 euros par tête de pipe, Quant en gagne 12. Pourquoi ? Parce qu'il a beaucoup moins d'informations pour vous, non, beaucoup moins d'informations sur vous, il anonymise. Et donc c'est pour ça qu'il gagne que 12 euros par personne, par utilisateur et par an. Donc il est un peu condamné à rester. Rester quoi ? Rester un nain ? Ben non, ça dépend, parce que s'il y a une décision politique européenne ferme de dire il faut qu'on arrête d'alimenter la machine à cash de Google, il faut qu'on commence à générer du cash en France, peut-être qu'on va plus se mettre sur Quant, même si 60% des résultats proviennent de Bing, ça serait déjà pas mal. Il faut savoir que si j'ai bien compris, et je ne veux pas dire de bêtises, donc je prends des précautions oratoires, je ne veux pas faire du dénigrement, mais il me semble bien que Quant, avec ses petits bras musclés, paye plus d'impôts en France que Google. Sachant que compte, c'est 1% des requêtes. Vous vous rendez compte du truc ? Quitte à décocher quelques flèches, il y a une expression que j'aime bien, vous pouvez la tweeter si vous voulez, je considère que Quant, le modèle économique de Quant est le même modèle économique que les vendeurs de crack. La première dose est gratuite, le reste est payant. Je dis bien sûr ça pour plaisanter, et c'est mon avocat qui m'a dit qu'il fallait que je dise que c'est pour plaisanter. Ceci est donc une blague, hein, bien évidemment. Oui. J'ai une question, enfin je suis un peu surpris du message, la révolution internet elle n'est pas encore passée, moi j'ai l'impression que c'est déjà passé. La fréquence, enfin, quand on regarde la fréquence d'adoption des nouvelles technologies à l'époque, pour avoir le téléphone, pour que 80% de la population ait le téléphone, il s'est passé peut-être 50 ans ou 100 ans, maintenant pour que 80% de la population ait Facebook, il s'est passé peut-être 2 ans. Du coup, les temps se compressent, quoi, et ça se voit bien sur ce graphique-là, c'est plus du tout les mêmes échelles. Oui, alors je vois bien ce que tu veux dire. Par contre, non, on est vraiment aux prémices, et entre ce que va nous apporter la miniaturisation, c'est pour ça que je parle de nano ici, la miniaturisation, ce que va apporter l'ordinateur quantique, ce que va apporter la blockchain, avec son lot de disruptions, ce que va apporter aussi l'intelligence artificielle, Et ce qu'on ne connaît pas encore, mais qui va bien sûr arriver parce que nous sommes aux prémices d'une révolution, non, le meilleur reste devant nous. Et croire que les dés sont lancés une fois pour toutes est une erreur de perception. On se considère toujours à la verticale du temps. C'est une expression, c'est-à-dire que nous sommes ici présents et nous sommes quelque part au centre de notre préoccupation. C'est peut-être mon activité d'historien qui m'a appris à me décentrer. Donc je me décentre pas trop parce que je m'éloigne du métro, mais moi qui ai l'habitude de voir des civilisations, et l'unité de valeur c'était la centaine d'années, voire le millier d'années, hein, puisque l'Égypte antique c'est moins 3000, plus 300 grosso modo, hein, mais après justement, quelque part ce recul, nous sommes vraiment au début de quelque chose, donc se fixer
sur l'état actuel pour envisager l'avenir, à mon avis, est une erreur stratégique fondamentale. Non, non, tout peut arriver. Le meilleur comme le pire. Oui, cher monsieur. Oui, il y a deux jours, j'étais un topo du même genre fait par Pierucci. Bon, je ne ferai pas, je vous dirais. Sur l'affaire des catapultes de porte-avions, moi, je traîne le fichier de marque du Charles de Gaulle, qu'en réalité, on avait des composants électroniques qui étaient utilisés dans les transmissions militaires américaines. On leur a dit, si vous ne nous vendez pas les catapultes, qui sont d'ailleurs une licence anglaise au départ, mais si vous ne vendez pas les catapultes, nous, on ne vous vend pas les composants électroniques, ça s'est réglé tout de suite. Excellent, j'aime bien. Parce que, alors, la conclusion que j'en avais tirée, c'est qu'il y a la volonté politique de te dire prêt à avoir derrière. Et donc, Pierucci était convaincu qu'au niveau européen, il ne se passerait jamais rien, parce qu'il est impossible que tous les pays se mettent d'accord pour avoir une politique tenant tête aux GAFAM. Aïe, 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 aïe. Ben, j'en pense qu'en fait, on a eu une épine dans le pied pendant des années qui étaient nos amis anglais. Maintenant qu'ils partent, de toute façon, c'est pas grave parce qu'on a les Polonais. Enfin, c'est triste, mais c'est comme ça. Hein. Parce que les Polonais, ils sont autant pour marchands avec les Américains que les autres. C'est plié. Même les Allemands font profil bas. Ah, bah, de toute façon, s'ils vendent pas de bagnoles, c'est leur économie qui se casse la gueule. Donc, c'est tout. Hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est pour ça que quand Snowden a révélé que Merkel était sur écoute, par exemple, de la part de la NSA, il n'y a pas eu de vent non plus, il n'y a pas eu de vague. Non, c'est très compliqué. Je pense qu'il faut qu'on reconstitue au niveau européen un noyau dur d'États qui ont peut-être une vision un peu différente. Et paradoxalement, c'est un peu les États du Sud qui ont cette vision. Hein, les États avec une histoire longue, comme l'Espagne par exemple, l'Italie, c'est des gens qui sont très sensibles à l'aspect souveraineté informationnelle, à l'aspect persistance de l'État, vous voyez, et avec eux, on peut peut-être faire des trucs. Après, bon, à mon avis, il faut faire une Europe à géométrie variable et y aller avec ceux qui peuvent y aller. Donc, se mettre tous d'accord pour un vote aussi stratégique que promouvoir des outils alternatifs ne se fera pas à 28, c'est pas possible. Merci à vous.